tirailleur qu'on ne voyait que de grandes étendues incultes, qui n'étaient d'ailleurs pas sans charme. Le sable, les bruyères et les bouleaux, de la cette région peut favoriser une beauté sauvage qu'appréciaient les peintres et les poètes. De ces anciens paysages. Nous allons visiter avec vous un des 7 charbonnages du Limbourg et voir comment, à côté d'une ville qui en continuelle expansion, s'est constituée une communauté humaine liée par les mêmes intérêts, les mêmes préoccupations et les mêmes espoirs. Ces vues caractéristiques d'une mine de charbon révèlent-elles cependant aux passants qu'à cet endroit, plus de 6000 personnes travaillent sans relâche à l'extraction du charbon. Peuvent-ils s'imaginer qu'à des profondeurs de 600 à 850 mètres, existent plus de 100 km de galeries, où des équipes de mineurs donnent leur force et leur courage pour réaliser une production de 5000 à 6000 tonnes par jour? En suivant ce jeune homme qui se présente à l'embauche, nous allons nous initier avec lui au travail dans un charbonnage. Quelques formalités administratives sont indispensables pour établir la fiche d'identité du nouveau mineur. Nous faisons ainsi connaissance avec Gérard Daniels de Zenove. Au cours de ce premier entretien, on lui remet une documentation rapidement commentée et notamment la brochure d'accueil du charbonnage. Il est reçu ensuite au service d'accueil où tout est mis en œuvre pour créer un climat sympathique. Le responsable de l'accueil a un rôle particulièrement important au point de vue humain. Il explique les us et coutumes de la société, il dit quelques mots du règlement d'ordre intérieur et des avantages accordés aux mineurs. Il cherche surtout à donner aux nouveaux l'occasion de parler de ses problèmes personnels. Dans une atmosphère très détendue, ce dernier fait part de ses soucis, de ses ambitions, parle de sa famille. Le préposé à l'accueil conclut cet entretien en lui parlant de la période d'initiation, pendant laquelle le nouveau touche déjà son plein salaire. Et il souhaite bonne chance à Gérard Daniels. Le lendemain, les nouveaux engagés se rassemblent dans l'hall d'entrée. Ils s'efforcent de montrer le plus d'assurance possible. Ils font la connaissance du chef moniteur qui va les prendre en charge pendant cette journée d'initiation à la surface. À la séance d'habillage, il faut essayer les habits de travail. Le chef moniteur explique la nécessité de l'équipement spécial du mineur. Il faut se munir d'un vêtement chaud pour se garantir des différences de température. C'est à bon droit que les règlements de sécurité prévoient l'usage de gants, de bottines à bout d'acier et le port du casque. Chaque membre du personnel du fond a une médaille portant son numéro. Le fait d'avoir pris sa médaille au tableau du hall d'entrée constitue la preuve de sa présence au charbonnage. Le chef moniteur explique comment le mineur doit prendre lui-même sa lampe. L'absence de celle-ci sur l'étagère indique que l'ouvrier est au travail. Il est prudent de vérifier le parfait fonctionnement de la lampe et de la traiter avec le plus grand soin. Elle est en effet l'auxiliaire indispensable du travailleur au fond. C'est en tenue de travail que notre petit groupe se rend dans la salle de formation professionnelle pour un premier cours de 2 heures.
Des panneaux didactiques et un tableau noir facilitent la tâche de l'instructeur. Celui-ci donne une description schématique de la mine et explique l'organisation technique et humaine du charbonnage. Les nouveaux écoutent attentivement et sont un peu impressionnés quand l'instructeur, pour s'assurer de ce qu'il a été bien compris, leur pose quelques questions. Cette initiation théorique à laquelle nous assistons va se poursuivre quelques jours encore à la surface. Les nouveaux auront ainsi les renseignements immédiatement utiles pour aborder les expériences pratiques qu'ils vont vivre bientôt. Ils prendront ainsi conscience de leurs droits et de leurs devoirs et se rendront compte qu'il existe en fait un statut de mineur. Le groupe parcourt ensuite les locaux où ont été installés en reproduction exacte bouveaux, galeries et tailles équipés d'un matériel identique à celui du fond. Le nouveau mineur est ainsi familiarisé avant la descente avec son futur milieu de travail. Les apprentis sont rassemblés à la recette du puits. Chacun passe à son tour devant un tableau et accroche sa médaille à la place qui indiquera sa fonction et son lieu de travail au fond. Et voici la première descente. Les futurs mineurs prennent place dans la cage d'ascenseur qui les conduira au fond. Ainsi, depuis des années, les molettes tournent, les câbles tirent et les cages descendent, amenant sous terre les hommes qui abattent le précieux combustible. Les procédés d'extraction se modernisent, la production s'accroît, de nouvelles générations ont pris la place des vétérans, mais cet esprit communautaire, si particulier aux travailleurs de la mine, existe toujours. Il n'est pour s'en convaincre que de se mêler à ces travailleurs et à leurs familles, pour les voir célébrer ensemble le 50e anniversaire des charbonnages de Winterslaar. Samedi 14 septembre 1957. À première vue, rien ne paraît changer au charbonnage. Le travail s'est poursuivi normalement toute la matinée et maintenant nous assistons au spectacle quotidien de la sortie des ouvriers. Ils sortent par petits groupes et se dirigent vers les autocars, scooters ou autos qui les ramènent chez eux. Les cyclistes ne sont cependant pas prêts de disparaître. En voici un justement qui s'arrête lui aussi devant les affiches annonçant les festivités. Gageons que comme les autres, il se promet de participer activement aux réjouissances. Nous allons suivre Alexandre Ivanov sur le chemin du retour. Il passe sous l'Arc de Triomphe, le temps est beau, l'aspect des maisons est riant. Cependant, il y a peu de monde dans les rues et les allées. C'est que des centaines de personnes travaillent encore en ce moment aux derniers préparatifs des festivités. On ne pourra oublier le dévouement du comité des fêtes et de ses membres qui, sous la présidence de M. Karsman, s'est consacré bénévolement pendant des semaines à l'organisation de ces réjouissances populaires. Mais à un autre endroit, quelle animation! On court, on se bouscule autour de la voiture radio. Allons, allons, grande fête à l'occasion du 50e anniversaire du charbonnage. Ce soir, cortège au flambeau et grand bal populaire. Nous retrouvons notre cycliste. Il lève le bras respectueux des règles de la circulation. À terre, le voici arrivé chez lui et aussitôt entouré et embrassé par sa petite famille. C'est toujours une joie de se retrouver ainsi après le travail, mais aujourd'hui particulièrement
tous les visages sont épanouis. Ce n'est certainement pas un samedi ordinaire. Madame repasse un foulard flambant neuf, tandis que son mari prend son repas. Bon appétit. Ah, voici le grand-père, un ancien mineur qui a conservé toute sa vigueur, en jugé par ses puissantes épaules. Il est heureux de se rappeler son métier. Est-ce que ce petit garçon se découvrirait la même vocation que celle de son père et de son grand-père ? Alexandre Ivanov s'apprête à figurer dignement dans le cortège. Il est vraiment très chic et s'assure de l'approbation de son fils avant de s'en aller. Samedi soir, les festivités ont commencé. Hélas, le temps n'est pas de la partie, la pluie tombe sans arrêt, ce qui complique la tâche des organisateurs et des cinéastes. Tout le monde est à son poste. L'éclairage public de l'avenue Evanskopé est inauguré en présence des autorités communales. La pluie nous transperce jusqu'aux os. Heureux les possesseurs de parapluies, heureux tout le monde car les ondées ne noient ni l'enthousiasme ni les flambeaux. Le cortège franchit l'arcade illuminée à l'entrée de la grande plaine des fêtes. Heureusement, d'énormes tentes peuvent accueillir tous les participants. On peut se réchauffer en mangeant un cornet de frites et toutes les dispositions sont prises pour que personne ne souffre de la soif. Il y a plus d'une place assise dans le spacieux snack bar, dans les divers débits de vin et de bière, dans la plus grande tente où se déroule le bal populaire. Mais on ne va pas à un bal pour s'asseoir et ceux qui peuvent trouver place sur la piste dansent avec conviction. N'a en rien compromis les réjouissances du samedi soir, le mauvais temps n'a pu vaincre l'entrain de la population de Winterslack. Dimanche matin, les cloches appellent les participants du cortège qui se rassemblent sur la place devant l'église, tandis que les personnalités et diverses délégations assistent à une messe solennelle célébrée en action de grâce et à la mémoire des pionniers et de tous les anciens de Winterslack. Les groupes se forment, on ne se presse pas, on a le temps d'admirer et de se faire admirer. Quel plaisir pour les yeux que toutes ces couleurs. Les groupes de polonaises et de polonaises sont les plus multicolores, mais tous cavaliers, tireurs à l'arc, pêcheurs à la ligne, mineurs en costume de travail, attirent également l'attention. La messe est finie, nous voyons sortir les porteurs de drapeaux qui
qui vont rejoindre chacun leur groupe, et il y en a. Puis les personnalités prennent la tête du cortège. Ce cortège comprend plus de 1500 participants, répartis en 50 groupes, formant 4 sections, ayant chacune leur char. Lorsqu'on songe que l'augmentation extrêmement rapide de la population de Winterslag date de si peu d'années, on ne peut manquer de s'étonner de l'essor de toute une série de groupements, de cercles et de sociétés qui témoignent qu'une communauté humaine s'est déjà constituée, ayant ses coutumes et son folklore. Grâce au concours de l'harmonie de Winterslag et des deux sociétés de musique de Genk qui assurent la cadence, on marche avec entrain pendant toute la durée du parcours. Voici les anciens combattants et prisonniers politiques. Ils sont suivis par les enfants des écoles et les différents mouvements de jeunesse. Les croisés. La croisade eucharistique féminine. Les Kiro, garçons et filles. Vient un premier char, la cantine d'autrefois. Plus loin, nous en voyons un autre représentant les nouvelles constructions ouvrières campinoises. En ce moment, nous apercevons l'imposant groupe des décorés. Voici le char portant la première caillette de charbon campinois, extraite à Winterslag le 28 juillet 1914. Passe maintenant l'harmonie royale Saint-Martin. Les joueurs de football. Les tireurs à l'arc. Groupe polonais, couleur chatoyante. Un nouveau char symbolise le labour prospère. L'équipe des sauveteurs avance fièrement sous les applaudissements de la foule. Et en apothéose, le char avec la statue vivante de Sainte Barbe. La tête du cortège est arrivée devant les bâtiments du charbonnage où va se dérouler une cérémonie commémorative. Les groupes se placent les uns après les autres sur l'esplanade. Les personnalités ont pris place à la tribune et le cortège défile devant elles. L'harmonie royale de Winterslag et des chœurs d'enfants exécutent avec brio quelques morceaux de musique. Devant la plaque commémorative viennent se placer les joueurs de trompette Teben. Monsieur Philippe Lehaudet, administrateur délégué des charbonnages de Winterslag, parle. Op deze verjaardag zou ik u dan ook willen voorstellen
that way. Allen samen, als belangrijkste doel, de verbetering en ontwikkeling... Aussi l'objectif le plus important que je vous propose en cet anniversaire est bien de poursuivre tous ensemble l'amélioration et le développement des relations humaines dans l'entreprise afin de créer les conditions de travail les meilleures possibles et d'assurer un véritable épanouissement humain à tous les travailleurs de la société. Pendant ce discours, un petit incident met en joie un groupe d'enfants. Des ballonnets risquent de s'envoler prématurément. Monsieur de Winter, directeur gérant, prend à son tour la parole. Le charbonnage de Winterslag est en fête, c'est-à-dire que les membres du personnel sont en fête. À tous nos collaborateurs et à toute la grande famille de Winterslag, nos félicitations et sincères remerciements, et à tout le monde, une bonne et joyeuse fête. Dans un grand bruit d'ailes, des centaines de pigeons s'envolent, tournant quelques moments au-dessus de la foule et, s'étant orientés, disparaissent bientôt à l'horizon. Des ballonnets de toutes les couleurs sont ensuite lâchés. Les spectateurs suivent des yeux ce message de joie que la population de Winterslag adresse à toute la campine. Le cortège se reforme et quitte l'esplanade. Il va parcourir l'artère commerciale de Winterslag. La rue des Veines a pris un air de fête. Nous revoyons l'harmonie royale de Winterslag, qui joue toujours avec autant d'entrain. Le groupe des déportés politiques. Les enfants des écoles. Les groupements de jeunesse, les scouts, les Kiro, les Hongrois, les décorés du charbonnage. Le char de la première cueillette passe entouré des ouvriers des puits. L'harmonie royale Saint-Martin de Genk. Les jeunes tennismen, suivis des cadets du Winterslag Football Club. Les pêcheurs à la ligne, la gilde des tireurs, voici les Polonais, avec leurs scouts et représentants des jeunes générations. L'harmonie Sainte-Cécile de Genk, les sections de la Croix-Rouge, de la Défense civile, les mineurs brancardiers, voici à nouveau l'équipe de sauvetage. Et le char de Sainte-Barbe entourait les anciens élèves de l'école des mines.
Ce sera bientôt la dislocation du cortège, il est grand temps de reprendre des forces et une invitation générale à la cantine est la bienvenue. Les personnalités et les invités, dont certains sont venus de loin, sont reçus dans une grande salle du charbonnage spécialement aménagée pour la circonstance. Pendant que l'on serre le porto, les conversations vont bon train. Laissons les cérémonies officielles se terminer pour nous mêler à la fête populaire. D'un petit avion, on pouvait survoler la cité et le terrain des fêtes où des milliers de personnes sont déjà rassemblées. Le petit train qui assure normalement le transport des ouvriers de la gare au charbonnage est devenu pour la circonstance un train de plaisir permettant une confortable visite des installations de surface. Les organisateurs n'avaient pu prévoir un tel afflux de voyageurs, les places sont prises d'assaut, le petit train s'ébranle et le paysage défile. Parce qu'aujourd'hui c'est fête, parce que les hommes et les femmes bien sûr sont de grands enfants, les voyageurs sont animés et rieurs comme s'ils partaient au loin. Ce sont les vacances, les paysages ne sont pas nouveaux, mais les regards sont autres, plus attentifs à la beauté des choses familières. Lorsque le petit train arrive à destination, une visite rapide des installations de surface est organisée. Ainsi, les familles des travailleurs ont l'occasion de comprendre le fonctionnement général d'un charbonnage moderne et imaginent mieux le travail quotidien du chef de famille. À la plaine numéro 2, la foule s'est massée pour admirer et encourager les divers concurrents du Gymkhana. Le sexe faible participe aux épreuves pour le plus grand plaisir des spectateurs. Certains exercices sont particulièrement difficiles et rares sont les compétiteurs qui franchissent avec aisance la planche à bascule. Les difficultés du parcours sont telles que malgré toute l'adresse des conducteurs de moto, de scooter ou de vélomoteur, il n'y aura guère de circuit sans fond. À la plaine numéro 1, la tribune abrite l'exposition des lots de la tombola gratuite. Ces lots, dont beaucoup sont de grande valeur, ont été offerts par les sociétés amies et les fournisseurs du charbonnage. Parmi les lots les plus spécialement convoités, citons la Volkswagen Deluxe, dernier modèle, les postes de télévision, les frigos et les scooters, et encore la Citroën de chevaux. À l'âge des avions supersoniques et des satellites artificiels, il est indispensable de vérifier les lois de la pesanteur. Aux audacieux, la tour des scouts offre une démonstration efficace. Pour encourager les timides, les scouts paient de leur personne et réalisent des descentes en chute freinée très spectaculaires. Passant d'une tente à l'autre, du snack bar à la buvette, de la buvette au milk bar, s'arrêtant pour écouter un concert en plein air, les familles se promènent paisiblement. Les enfants n'ont pas été oubliés. Ils ne savent par quelle réjouissance ils pourraient commencer. Il y a le théâtre des marionnettes, le cinéma, le concours de ballonnets. Il y a aussi le traditionnel carrousel qui entraîne les enfants dans son rêve. Les petites demoiselles voyagent dans leur calèche. Les petits garçons sont davantage de leur temps. Conducteurs de locomotives, champions du Tour de France, cavaliers émérites, pilotes de course, s'en vont l'un derrière l'autre à la poursuite de leurs désirs. Les parents admirent leurs enfants et les voient aussi en imagination, dans les rôles qu'ils jouent avec tant de bonheur. D'être en pleine forme pour le bal populaire du soir, des couples s'exercent avec zèle.
La jeunesse de Winterslag n'ignore rien du rock'n'roll et autres gymnastiques chorégraphiques. Les spectateurs admirent le souffle et la vivacité des danseurs qui ne ménagent pas leurs forces ni leurs danseuses. Des curieux, armés de patience, ont assisté au gonflement de l'aéronef. Tout est enfin prêt pour son envol. Les amarres sont larguées et l'ascension commence. L'aéronaute semble avoir beaucoup à faire, il libère les drapeaux qui se déploient aussitôt. On suit longtemps des yeux l'oriflamme Winterslag accroché à la nacelle. Le dimanche soir, il y a plus de monde que jamais à la plaine numéro 1. Il a fallu commander à la dernière minute d'importants suppléments alimentaires. Au Music Hall, la séance est permanente, grâce à quoi des centaines et des centaines de personnes ont pu assister au spectacle. Dès qu'une chaise est libre, il y a 10 personnes pour l'occuper. Les clowns, les chansonniers, les jongleurs se succèdent sur l'estrade devant un public en or, qui rit, qui s'émerveille, qui applaudit de tout cœur. Le spectacle est souvent dans la salle, qui ne reste pas passive et intervient vigoureusement dans un jeu de ballon plein de mouvements. L'animateur est de première force et tient son public bien en main, suscitant à son gré de grands éclats de rire. Chanteurs et imitateurs rivalisent d'invention et de fantaisie. Les anciens élèves de l'école des mines ont reconstitué sur la plaine un bouveau d'un type spécial où se débitent divers liquides très appréciés des visiteurs. Il n'y a pas de grande fête si l'on ne veut danser. L'âge importe peu, mais la manière de tourner n'est pas la même d'une génération à l'autre. Plus classique chez les uns, plus mouvementé chez les autres, les deux orchestres alternativement communiquent leur rythme et l'entrain. Trombone impératif, chanteuse souriante, chef d'orchestre convaincu, s'applique avec succès à créer une ambiance de plus en plus animée. Apothéose d'un jour de fête, un feu d'artifice va faire éclater dans le ciel les couleurs multicolores de toute la variété de ces fusées. Une fin, et le mardi matin, la cité s'éveille, prête à reprendre le rythme des journées de travail. On retrouve la vie habituelle, les mêmes gestes et les mêmes tâches. Bonne journée, on s'embrasse et on se sépare pour quelques heures. Le
charbonnage a retrouvé son activité. Des nouveaux viennent se joindre aux anciens. C'est pour Winterslag le meilleur gage d'un nouveau demi-siècle de prospérité et de progrès social. Surface du charbonnage, tout est en mouvement. Les trains circulent, les molettes tournent à nouveau, les wagonnets recommencent leur périple. Et dans le fond de la mine, les hommes travaillent pour produire dans des conditions toujours accrues de sécurité et de bien-être ce charbon dont le pays a tant besoin. Aujourd'hui, plus que jamais, Winterslag est confiant dans son avenir. Production. Quest'ultima sfruttata dal 1907 ha prodotto 66.586.600 tonnellate di carbone. C'est la quatrième génération de mineurs qui assiste avec émotion à la remontée du dernier char. بعد ما ناجم وتصاي وايسدم اليوم 31 مارس 1988. Following the sieges of the Waterskay and Eisden mine, production has now been halted at the Winterslag shaft. This mine, which has been in operation since 1907, has produced 66,586,600 tons of coal. Fourth generation miners watched with emotion. A man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? The day old and people dead. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, that's my luck. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high tone woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
If you see me come, better step aside. Not a man did it, not a man died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. Thank you.
So
company so